Bonjour à tous, Élodie Le Mélinaire, animatrice sur le marché des professionnels du Crédit Agricole d'Aquitaine. Je suis en charge de la formation et de l'accompagnement des conseillers professionnels du Crédit Agricole d'Aquitaine. Bonjour, Jessica Boutrin, également animatrice sur le marché des professionnels au Crédit Agricole d'Aquitaine. Alors, vous le savez peut-être, le Crédit Agricole d'Aquitaine est une banque locale qui s'étend sur trois départements, que sont les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde. C'est aussi 239 agences de proximité qui officient sur l'ensemble de ce territoire. On est donc une banque coopérative avec de vraies valeurs fortes de solidarité et de mutualisme. On accompagne toutes sortes de projets, de la création au développement. Et c'est avec ce savoir-faire qu'on se présente à vous aujourd'hui pour vous donner quelques petits tuyaux. Et oui, quelques petits tuyaux, c'est effectivement l'idée de notre présence aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider, vous donner quelques points clés pour éventuellement convaincre votre banquier, susciter aussi bien évidemment son intérêt lors d'une demande éventuelle de financement en termes d'accompagnement. J'irai plus loin, Élodie. Il n'y a pas que le financement. On est aussi là pour vous apporter du conseil et répondre à toutes sortes d'interrogations que vous pourriez avoir. Effectivement. Mais avant de répondre à toutes ces questions, véritablement, le point stratégique et qui est véritablement prépondérant, c'est le premier entretien que vous allez avoir avec votre banquier. Cet échange, que vous le fassiez en visio ou en présentiel, même si on a une tendance à préférer d'être en présentiel, il faut véritablement bien le préparer. Oui, mais venez comme vous êtes. Restez naturel avec votre envie. Montrez-nous votre envie, votre enthousiasme, tout ce que vous croyez sur votre projet pour que nous soyons nous-mêmes convaincus par qui vous êtes et par votre projet. Vous l'avez compris, évidemment, votre profil et bien évidemment votre projet vont être des points véritablement déterminants. Ne nous lisez pas simplement votre CV, faites-nous partager vos expériences, faites-les vivre. Et c'est de ces expériences où on va comprendre effectivement le cheminement vers l'entrepreneuriat. Dans cet entretien, il va falloir, comme on l'a évoqué, parler de vous et parler de votre projet professionnel. Mais l'idée véritablement, c'est de venir quand même avec des éléments factuels. Effectivement, que ce soit en reprise ou en développement, l'idéal est quand même de vous faire accompagner par des institutionnels, par des associations ou aussi par je suis entrepreneur.fr, notre partenaire. Bien évidemment, le choix de ces partenaires vont véritablement être aidants, guidants dans votre démarche de création d'entreprise. On pense, comme l'a dit Jessica, à Je suis entrepreneur, mais vous avez aussi d'autres organismes qui peuvent vous accompagner. On peut évoquer la CCI, la CMA. Ce genre de partenaires, il faut véritablement les solliciter parce qu'ils sont là pour ça, pour la création d'entreprise. Et puis, ils sont de très bons conseils. Ils vont pouvoir vous orienter, par exemple, sur le choix de votre statut juridique. Pourquoi ai-je choisi la micro-entreprise? Pourquoi ai-je choisi l'entreprise individuelle? Ou éventuellement, pourquoi pas, une URL? Un jour, peut-être aussi, on peut parler de SA, de... On vous le souhaite. Société cotée en bourse, pourquoi pas. Ceci dit, ils vont quand même vous aiguiller sur ces choix d'ordre, on va dire, plutôt juridique. Là-dessus, ils vont aussi vous aider sur les aides éventuelles que vous pourriez percevoir. On va penser au Pôle emploi, on va penser à des prêts d'honneur octroyés par certains organismes. Donc voilà, ils vont pouvoir vous guider et vous orienter dans ces démarches administratives-là. Le petit plus, comme notre partenaire Je suis entrepreneur, hein, que ce soit avec la CCI, c'est vrai que vous allez avoir aussi des indicateurs sur la tendance du marché. La tendance du marché, c'est ils vont pouvoir vous donner des indicateurs sur la concurrence établie, par exemple sur le choix de votre installation sur Bordeaux, dans un secteur d'activité par exemple lié à la restauration, ils vont pouvoir vous donner des indicateurs sur ce marché-là spécifiquement.
Donc vous aurez compris, préparer votre projet a toute son importance. Le présenter aussi, on parle de pitch. C'est important de pouvoir pitcher son banquier, de le présenter sereinement et efficacement son projet pour que le banquier ait également envie de vous croire et de vous accompagner dans le développement de ce projet. Bien évidemment, c'est vrai que tous ces éléments-là, pitcher son projet, savoir le présenter, savoir déjà se présenter soi-même, présenter le projet, je le reprends, mais aussi se faire bien accompagner par les partenaires qu'on vient d'évoquer, c'est véritablement un élément aussi très, vendeur. Engage. Vendeur. Nous, financiers que nous sommes, c'est vrai que quand on a la globalité, à savoir quelqu'un devant nous qui est punchy, qui sait se présenter, qui aussi est en mesure de nous vendre son projet professionnel, c'est hyper vendeur. Et rassurant pour l'avenir. Et rassurant pour l'avenir en tant que potentiel accompagnant. Ceci dit, on l'a évoqué avec les partenaires, eux vont pouvoir vous donner des conseils, je me répète, mais ils vont pouvoir vous donner des conseils d'ordre juridique, toute cette tendance de marché, mais surtout, ils vont pouvoir établir ce qu'on appelle un BP. Un BP, bon, c'est quoi ? C'est un business plan ou autrement dit, un prévisionnel d'activité. Prévisionnel d'activité, une fois que vous aurez établi sur quel secteur d'activité vous voulez officier. Là-dessus, dans ce BP, il va y avoir aussi un plan de financement qui est à établir. Et ce plan de financement a son importance. Ah oui, c'est le sésame pour venir voir le banquier. C'est là-dessus où nous, banquiers, nous allons regarder qu'est-ce qu'on finance réellement. De l'actif immobilisé, de l'actif mobilisé, de la trésorerie. Et c'est là-dessus où on va pouvoir se projeter dans l'accompagnement de votre dossier. Bien évidemment, c'est vrai que ces moments un peu importants de savoir, de déterminer surtout quel est le financement octroyé, va déterminer la durée du financement aussi, et puis surtout la technique de financement. La technique de financement, si on peut partir sur un crédit classique, sur un crédit bail. Je pense plutôt, si vous avez besoin d'un véhicule, le crédit bail va être prépondérant. On peut aussi opter pour un crédit classique. On va parler d'ouverture de crédit. Donc, le conseiller, en fonction de ce plan de financement, va pouvoir en fait vous orienter sur la technique de financement la plus intéressante et la plus appropriée. Ça, on va dire, on est véritablement sur l'étude de ce plan de financement et de ce prévisionnel d'activité. Ceci dit, il y a un aspect qui est très important, et là on revient à vous, c'est forcément votre investissement personnel. Oui, l'investissement personnel, on ne peut pas, nous banquiers, accompagner 100% de votre projet et de votre idée. Il faut aussi montrer votre investissement et la qualité à vous à croire en votre projet. C'est pour ça qu'on va vous demander aussi un apport. Oui, et il ne faut pas véritablement, s'offusquer. C'est un indicateur qui est véritablement sain pour un banquier. À partir du moment où il y a un apport qui est effectué, ça veut dire que vous-même, vous êtes en mesure de vous investir dans votre projet professionnel. Donc, il y a un véritable enjeu aussi pour vous. Au même titre que sur l'accompagnement technique du financement, certainement que le banquier va vous solliciter en termes de garantie. Alors, vous allez avoir plusieurs partenaires qui vont venir en complément de la banque pour contre-garantir le financement. Ces organismes de cautionnement s'appellent BPI, la Banque publique d'investissement, CAJ, ou vous avez d'autres fonds de garantie qui peuvent venir en caution sur le financement bancaire. Ceci dit, on en revient à votre investissement personnel, c'est la caution. La caution, il ne faut véritablement pas s'offusquer, puisque au même titre que votre apport personnel, c'est un indicateur qui est sain et qui surtout prouve votre investissement et votre volonté de partir dans votre projet professionnel.
Donc vous aurez compris, la préparation de cet entretien est importante. Ce premier entretien va véritablement poser le cadre de l'accompagnement futur et puis votre projet évidemment. Donc ne venez pas juste dans l'espoir de trouver un taux. C'est pas ce qu'on va vous apporter sur un premier entretien. Nous allons nous passer véritablement en partenaire pour vous donner tous les meilleurs conseils pour que votre projet se fasse dans les meilleures conditions. C'est tout à fait ça, Jessica. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire d'aller voir son banquier, de solliciter un accompagnement et de parler juste du taux. Surtout que dans un contexte où aujourd'hui les conditions financières sur l'ensemble des établissements bancaires sont relativement basses, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'évoquer ce sujet-là. Comme l'a dit Jessica, il faut vraiment avoir une vision plus globale. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous serons également là, je vous répète, en conseil, et nous vous répondrons à toutes vos interrogations, par exemple du type Elodie, est-ce que j'ai besoin d'un compte pro ? Ah, mais oui, c'est le sujet un petit peu, effectivement, qui revient régulièrement. Dois-je avoir un compte professionnel pour mon activité ? Alors, pour vous répondre, la réponse elle est très claire, c'est oui. La réglementation nous l'impose véritablement. Donc, vous n'avez pas forcément le choix. Après, vous avez des organismes d'établissements bancaires traditionnels tels que le Crédit Agricole qui vous accueilleront avec des facilités sur l'ouverture d'un compte professionnel. Vous avez aussi d'autres partenaires tels que Blank où en quelques clics, vous pouvez aussi obtenir votre compte professionnel. Ceci dit, il faut vraiment le voir aussi comme un véritable intérêt pour vous. Pourquoi ? Parce que la détention d'un compte professionnel est un fabuleux indicateur de fonctionnement du quotidien pour nous banquiers, parce que c'est là où on va avoir le véritable reflet de votre activité sur un compte qui est vraiment dédié. Donc, voyez plutôt un intérêt pour votre fonctionnement et surtout pour votre perspective d'avenir, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes micro-entrepreneur, mais dans l'évolution de votre affaire, peut-être que demain vous la transformerez, on l'a dit tout à l'heure, en SA coté. Mais Elodie, je vois déjà les questions dans la caméra à travers la petite vitre. Un compte pro, ça coûte cher. Alors, vous allez me dire, tout dépend ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. Un compte professionnel, tous les établissements bancaires, vous allez avoir une panel de prix assez fluctuant. Mais j'ai envie de dire, je le répète, c'est pas forcément l'enjeu. Dans l'entretien que vous allez avoir avec votre banquier, le compte pro, on va dire, on l'a vu, est un service. Mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que forcément, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si comment je vais encaisser mon chiffre d'affaires ? Et là, la détention d'un compte professionnel est nécessaire. Donc, il faut aller plus loin, il faut se poser les bonnes questions. Comment j'encaisse mon chiffre d'affaires ? Est-ce que j'ai besoin aussi peut-être d'une solution d'encaissement spécifique à mon site internet ? Donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'installe une brique de paiement. Est-ce que dans ces cas-là, je vais plutôt faire de ce qu'on appelle de la vente à distance par SMS ou par lien ? Donc, toutes ces questions, il faut véritablement se les poser. Et donc, la notion de tarif du compte professionnel uniquement, il faut véritablement, je pense, aller plus loin dans le raisonnement et dans l'entretien. Je te rejoins complètement, Elodie. Je crois qu'il faut aller plus loin. La véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par le conseiller que j'ai en face et par l'organisme de finances que j'ai en face ? Est-ce que j'ai le feeling ? Est-ce que moi aussi, je me projette avec ce partenaire ? Parce que véritablement, on se positionne encore une fois en réel partenaire. C'est vraiment la question qu'il faut vous poser. Et est-ce que le ressenti que j'ai eu à cet entretien, est-ce qu'il était bon ? Est-ce que je perçois de bonnes ondes ? Parce que sûrement, à quasiment à 100%, le banquier a eu le même sentiment derrière. C'est vrai, tout à fait. Ce qu'il faut véritablement s'appuyer, c'est que dans votre intérêt et comme celui du banquier, puisqu'il ne faut pas se leurrer, il y a une notion de confiance et de réciprocité. Donc c'est vrai que plus vous serez, on le redit, plus vous serez punchy, enthousiaste, que vous aurez su vous présenter, que vous aurez su valoriser votre idée ou votre projet. Et puis en plus,
le feeling, comme l'a dit Jessica, est bien passé avec votre banquier parce que vous avez su le lui vendre, véritablement, vous avez tout gagné. Donc, en résumé, on vient de le dire, se présenter, déjà se présenter, on l'a dit, soi-même, présenter son projet professionnel et le choix du partenaire bancaire. Écoutez les conseils, en tout cas, on sera ravis de vous retrouver très prochainement pour les rendez-vous digitaux et puis sur le salon. Tout à fait. Mmh. On est à votre disposition pour les rendez-vous de cet après-midi et de demain. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. À très vite, merci.